Salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Dragon Quest Heroes 2. Allez, cette fois-ci, on va enfin pouvoir continuer un peu plus loin, dans les contrées gelées, avec normalement l'ascension du mont Névé, histoire de récupérer cette fameuse arme légendaire. Mais avant ça, petite discussion avec tout le monde. En fait, je crois que c'est la même chose que la dernière fois. Vas-y, Torneco, qu'est-ce que t'as à raconter ? Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement la même chose. Donc, voilà, c'est pas la peine de leur parler. Ils vont redire les mêmes trucs. Par contre, je vois qu'il y a des quêtes annexes. Donc, on va les prendre tout de suite. Histoire de voir ce que c'est. Ok, bah ça alors. Ma vie, hein. Tout va bien. Ah, d'accord, génial. C'est la quête annexe d'Olivier et Tommy. Enfin. Parce que c'est vrai que on a pu commencer celle de Torneco. Il y a un petit moment et puis c'est tout. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal de commencer celle des autres à partir de maintenant. D'accord, vous croyez pas que j'en ai envie? Ah, d'accord. Donc il va falloir réparer ce pont. Non, oui. Oui. Le médiateur, parce que je suis pas du genre à couper les ponts, mais plutôt à les construire. D'accord. En tout cas, ouais, Tommy qui propose d'aider. C'est vrai que c'est pas tous les jours ça. Ouais, voilà, Tommy qui vient en aide à quelqu'un par générosité. On est sur le coup, mon vieux. Ok, donc avec tout ça, ouais, la quête annexe d'Olivier et de Tommy. Donc, ouais, en fait, ça fonctionne exactement comme dans le premier jeu. C'est-à-dire que certains personnages ont des quêtes groupées, on va dire. Donc, ce qui veut dire, voilà, Torneco, on l'avait récupéré au début de l'histoire, et donc il a une quête annexe pour lui tout seul. Mais Olivier et Tommy, je les ai trouvés en même temps, donc c'est pour ça qu'ils ont une quête annexe à deux, en fait. Et ça devrait aussi être le cas pour Maribel et Raph, normalement, si on est logique. Par contre, pour Mina et Maya, je ne sais pas, parce que ce serait normal qu'elles aient une quête annexe à deux. Enfin, je veux dire, voilà, elles sont sœurs et tout, donc ça pourrait paraître logique, mais on les a pas recrutées en même temps, donc je ne sais pas trop. Enfin bon. Ok, garçon, cause bien du souci, on peut vous aider. Ah, d'accord. Et puis en fait, à chaque fois, c'est des quêtes annexes qui correspondent d'une certaine manière à ce qui se passe dans le Dragon Quest... Avec Maribel et Raph, là, par exemple. Ça correspond à peu près à... Enfin, ça rappelle des choses, quoi. Des petits clins d'œil. Par rapport à leur Dragon Quest. Ouais, voilà. Du coup, Maribel, là, elle parle... Voilà, elle fait un petit commentaire et... Ça correspond parfaitement à ce qui se passe dans Dragon Quest 7. Ok, d'accord. On va retrouver ce garçon. Bon, je vais pas m'en occuper tout de suite. Peut-être que je le ferai hors caméra. Si c'est pas très important, si c'est pas très intéressant, je le fais hors caméra. Et puis ensuite, je vais rendre la quête en vidéo, histoire qu'on puisse voir un petit peu les petits dialogues qui vont suivre. Mais pour le moment, on va donc... Je vais changer mon équipe. Et puis on va partir pour... Enfin pour le mont Névé. Puisqu'on a ouvert la porte précédemment. Donc, qui est-ce que je vais prendre? Pourquoi pas Maya. Niveau 25. Et puis Tommy, niveau 25 aussi, ouais. Ensuite, Maribel, César des Démons. Non, je vais prendre Teresa. Voilà, puisque c'est ma soigneuse. On va quand même essayer de jouer la sécurité. Mon maître, non. Une autre fois peut-être. Je vais pas forcément aller le voir à chaque fois. Et puis, donc, au niveau de l'équipement, il faut que je vérifie parce que c'était Olivier et Raph qui étaient... Oh. Qu'est-ce que vous foutez là? Alors ça... Pourtant, j'ai pas...
Alors ça, est-ce que je l'avais déjà vu? Je m'en rappelle plus, honnêtement. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas censé être là, vous? C'était un DLC ou un truc du genre? Pourtant, j'ai rien... Ok, je comprends pas. Et puis même Psaro. Sérieux, même Psaro. D'accord, donc je peux... Est-ce que je l'avais vu, ça, ou pas? Parce que là, franchement, je m'en rappelle plus, mais... Qu'est-ce que vous faites là? Bon, ok. En plus, niveau 23 et tout. Est-ce qu'ils prennent des niveaux? Ouais. Ok, bon. Ok, donc les personnages du premier opus, je ne compte pas les jouer. Ouais, honnêtement, je ne compte pas les jouer. Ils sont pas censés être là, donc... voilà, on va faire comme s'ils n'étaient pas là. Voilà, ce que je voulais faire, c'était prendre l'équipement d'Olivier et de Raph. Histoire de... voilà, collier de grâce aussi, rubis de protection, histoire d'équiper ce que je vais prendre maintenant. Ok, ça va, pendentif papillon, anneau d'or, kamikaze, ok. Collier de grâce, brassard d'or, ah ouais, en fait c'est pas trop mal. Sauf que tu vas prendre rubis de protection, c'est plutôt pas mal pour se protéger des coups. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ah, ou alors plutôt sur Teresa. Ouais. Voilà. Et puis, coup de grâce. Ok, bon, ça devrait aller. Donc, blindé. Toi, tu vas prendre un blindé. Sorcière. Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Est-ce que j'ai pas un truc à récupérer au magasin? Voyons voir. Une orbe un petit peu plus puissante. Ah, magique. Magique, ça pourrait m'intéresser, mais je n'ai plus rien à vendre. Ah ouais, là, j'ai vraiment plus rien. Ok, tant pis, tant pis. Du coup, qu'est-ce que je vais lui donner? Parce que sorcière et caille... Mince. Bon, bah, je vais lui donner blindé, hein, tant pis. J'aurais préféré un truc magique, mais... Je peux pas m'en acheter encore, donc on verra plus tard. On verra plus tard. Ok, tac, lame glaciaire. J'aime bien, mais d'un autre côté, est-ce que je peux pas aller les changer avant de partir? Voilà, par ici. Non, pas la tenue. Transformer les armes, voilà. Lazare, ton arme de glace, j'aimerais qu'elle ressemble... Voilà. Épée jumelle de chevalier. Ok, voilà. Au niveau du look, je préfère comme ça. Et donc, ouais, ça y est, on est parti cette fois-ci. Donc, on va pouvoir enfin passer cette porte. J'espère que ça posera pas trop de problèmes. Parce que si on tombe sur un boss... Enfin bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Ici, mon évée base. Et on va pouvoir... Enfin, gravir cette montagne à la recherche de cette arme légendaire. Alors, vous m'embêtez pas. Je n'ai pas que ça à faire. Hop, machine à tuer. Je m'en fous. Non. On y va. Voilà, c'est parti. Mon évée combat suivant. La porte du mon évée est encore ouverte. Quelque part sur ces pentes enneigées repose l'arme légendaire dont a parlé le roi de Notis. Rejoignez le sommet et essayez de la trouver. Allez, c'est parti. Pour les quêtes annexes d'Olivier et Marie-Belle et tout ça, on verra plus tard. Là, pour l'instant... D'accord, on dirait que le sentier de la montagne traverse une espèce de caverne. Oh, je hais les cavernes. On sort à peine de la neige. Je n'ai aucune envie de voir les bestioles rampantes qui vivent là-dedans. Ok, mais peut-être qu'il fait moins froid ici. Ouais, venez. On a une montagne à escalader. Allez, c'est parti. Donc, apparemment, encore une zone avec des combats. D'accord, il va falloir que je batte les monstres qui permettent d'ouvrir ces passages. Si je comprends bien... Le sol est gelé ici. Il est facile de déraper. D'accord, on va glisser. Waouh, c'est quoi tous ces canards? C'est la foire aux canards. Ok, donc voyons ça. On va glisser apparemment. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, carrément. Oh, ça va, ça pourrait être pire.
Ouais, carrément. Allez, on y va, c'est parti. Tac. Wow. Et sérieux, tous ces canards. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident avec la glace comme ça. Allez, prenez ça. Ok, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord, le gardien. Gardien de la barrière est apparu. On va se le faire. Allez, amène-toi. Ok, crame. Sérieux, avec la glace, j'y arrive pas. Ah, ouais, non, j'y arrive pas. Faut peut-être que je combatte... voilà, à partir d'ici, ça devrait être beaucoup plus simple. Allez, viens, amène-toi. Allez, faut l'enchaîner. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Ok, où est-ce qu'il est, Tommy? Je vais jouer Tommy un peu. Soit impossible. Soit impossible, et si je fais coup miraculeux... Ah ouais, vraiment, soit impossible. Je peux pas me soigner. Bon, tant pis. De toute façon, il est mort. Donc, est-ce qu'on peut passer maintenant? Ok. Voyons voir. Si je mets la carte, déjà... Ok, c'est pas très grand, mais il va falloir passer... D'accord, il y a plusieurs passages bloqués. Ok. D'accord, ok, là il y a un truc à tenter. Vas-y, Teresa, approche-toi d'ici et tu vas me faire délivrance. Voilà, comme ça tu les attires et ils vont tomber dans le trou. Allez, recommence. Vas-y, vas-y, c'est le bon plan ça. Hop là. Ouais, pas mal. Ensuite, on peut s'occuper de ce qui reste. Tranquillement. Hop, je vais quand même récupérer des médailles de monstre. Médaille d'ombre flotte furtivement derrière l'invocateur et frappe l'ennemi sans relâche de ses sortilèges terrifiants. Ok, attention à ne pas tomber quand même. Un canard. Ok, médaille d'ornicrio. Transformez-vous en ornicrio pour doubler, pour doucher l'ennemi à l'aide de bombes à eau. Ah ouais, je vais essayer ça. Peut-être pas tout de suite, mais ça a l'air pas mal. Hop là. Ok, c'était pas du bon côté, c'est pas grave. Bon, on va continuer, hein. On va continuer. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore un trou. Par ma moustache, regardez la taille de ces boules de neige. Et elles sont toutes en équilibre précaire en haut de ces pentes enneigées. On dirait presque que quelqu'un cherche à les faire dévaler sur ces pauvres types qui sont en dessous. Ah ouais, ça c'est pas bête ça. Vas-y Tommy. Occupe-toi-en. Voilà. Et pareil ici. Est-ce que ça marche au moins? Ah ouais, ça a l'air de marcher. Voyons voir. Ok, pas mal. Du coup, on va s'occuper des autres, mais avant ça, Teresa... Mince. Il faut soigner, là. Il faut soigner. Vite. Non, pas méga protection, je me suis trompé. Multi-soin. Ok, voilà. Ah non, ça marche pas.
Mince, ils doivent avoir l'altération d'état, soit impossible. Bon, c'est pas grave, vas-y Teresa. Fais... Voilà, fais-les tous tomber dans le trou. Encore. Ok, soit impossible. Ah ouais, ça c'est vraiment pénible. Vas-y, Teresa. Ah, je vais pas y arriver. Voilà, je les soigne. Vas-y, encore une fois, fais-les retomber dans le trou. Pas assez de PM. Ok, bien, maintenant. Mince, Maya. Où est-ce qu'elle est, Maya? Maya, t'es où? Ah, d'accord, là-bas au fond. Allez, réveille-toi. On est reparti. D'accord, il y a encore une boule ici, je l'avais pas vue. Je vais aller la faire tomber. Et pendant ce temps, je m'occupe de ce qui reste par là. Voilà. Ok, normalement, est-ce qu'on peut passer? Ok, encore un gardien. Un gardien de la barrière est apparu, on va se le faire. Celui-ci. Est-ce qu'on peut le faire tomber, lui aussi? Éventuellement. Ok, que j'aille récupérer le coffre d'abord. Voilà, tac. Ça, je récupère. Fleur de soie, ok. Non, on va s'attaquer au gardien. Viens par là. Est-ce que je peux le faire tomber, cela dit? Vas-y, Teresa. Je vais faire un vortex par ici. Forcément, ça marche pas sur le gardien. Ouais, je m'en doutais. Ah là, c'est elle qui va tomber. Ok, plein de zombies ici, ça ne m'intéresse pas. On va se faire le gardien. Allez, viens par là, toi. Viens par là, et tiens. Hop. Je ferais peut-être mieux de me faire un coup miraculeux avec Tommy. Autant que je peux, parce que voilà, s'il peut récupérer des points de vie en attaquant, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Voilà, tiens, allez, prends ça. Tenter ça. Même si je vois pas trop où je vais. Ok, allez-y les gars, il faut l'enchaîner là. Faut l'enchaîner les gars. Allez, encore, tiens. Ok, c'est bon, c'est presque terminé. Mince, je me suis trompé de bouton. Allez. Voilà, on devrait pouvoir passer. Qu'est-ce qu'on peut récupérer par là? Un mur de glace, on va devoir le contourner. Ou le traverser. J'ai encore jamais vu une stalactite m'empêcher de la réduire en glace pilée. D'accord, et si je récupère... Ok, c'est bon. Yeti, Yetu... Waouh. Ok, là, ils sont plusieurs. D'accord. D'accord, je vais m'occuper d'abord du Yeti parce que il va me congeler, ça va être infernal. Après le caporal Mandragore et pour finir le gardien de la barrière. Attention. Vas-y Tommy, place un coup miraculeux. Parce que là sinon ça va être ingérable. Attention. Et on y va. D'ailleurs, il a bientôt sa tension. Histoire de faire pas mal de dégâts. Attention, la glace. Ça va, les autres, ils ont encore pas mal de points de vie. Waouh! Il fait mal, le gardien, sérieux? C'est un monstre qu'on a encore jamais vu, je crois. Non.
Ah. Ok, Lazare, t'as attention. Je vais essayer de sortir le Yeti déjà. Au moins le Yeti. Ensuite, on verra après pour les autres. Vas-y, Lazare, place-toi comme il faut. Parfait. Enfin, je crois. Ouais, ça va, franchement ça va. Le Yeti c'est bon, le Mandragore c'est bon. Tommy. Oh, je peux récupérer leur... Attendez, je peux récupérer leur médaille. Alors, Yeti Yetu. Transformez-vous en puissant Yeti Yetu pour geler l'ennemi à l'aide d'attaques de neige. Et l'autre, c'était le général Caporal Mandragore. Du coup, je vais déjà commencer par le Kala, parce que je suis un peu curieux. Ok, génial. Alors, qu'est-ce que tu peux nous faire, toi? 1000 pieds. Ah ouais. Geyser. Ah mince, ça a pas duré longtemps. Ah, c'était marrant, en tout cas. Allez, attention. Protection. Mince, j'ai pas eu le temps. Protection. Ah non, il m'a congelé. Allez, vas-y, Tommy. Allez, faut le sortir. Et tiens. Ok, super, on peut passer normalement. Voilà, barrière a disparu. Où est-ce qu'on en est si je mets la carte? Ok, on est presque au bout. Attention, ici on va se péter la gueule. Ouais. Les maelstrom monstres, d'accord. Je vais les éliminer rapidement. Ouais, carrément. Allez, prends-toi ça. Merci Teresa. Voilà, Eda. Ok, il y a un griffon là. Un griffon, mais je vais d'abord m'occuper des maelstrom monstres parce que sinon... Waouh, tout ce qui arrive. Vous êtes sérieux? Ok, la foyer la fond, faut pas plaisanter. Coup miraculeux. Vas-y, récupère des points de vie, Tommy. Mets-toi bien là où il faut et on y va. Ok, déjà le maelstrom monstre c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Teresa, Maya. Teresa plutôt méga protection. Ok, alors le Yeti. Attention à pas tomber. Ah ouais, mais non, il reste encore un maelstrom monstre par là-bas. Teresa, dépêche-toi. Ok, pas mal. Franchement, j'aime bien la sienne avec le bâton. Je vais pas forcément la laisser en prêtre tout le long du jeu, mais pour l'instant, j'aime bien. Où est-ce qu'on en est? Alors, Lazare et puis Maya aussi. Alors, Maya, tu vas t'occuper des derniers qui restent. Waouh. Ram, super. Ah non. Ah, je suis tombé. Ok, c'est pas grave. Apparemment, c'est pas grave. Tant mieux. Alors, voyons voir. Je vais refaire ça. Ça marchait plutôt pas mal. Même si elle se met à danser, on sait pas trop où elle va. Super cram, méga cram. Ok. Ok. Alors, Yeti Yetu. Et puis... Ah, il reste encore un... Un maelstrom monstre. Ok. Faut s'en occuper avant qu'il ramène des copains. Waouh, il explose. Vas-y, Yeti Yetu. Mince, ça aura pas duré longtemps. Ah, mais il y en a un autre là-bas. Le gros machin. J'adore comme il se déplace.
Balle polaire, qu'est-ce que c'est? Oh, sympa! Ouais, très élégante. Maya. Les monstres commencent à s'enfuir. Ok, génial. La barrière a disparu. Ok, par contre, j'avais repéré un coffre là-bas au fond. J'espère que je peux le récupérer avant que ce soit fini. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Boule de foudre. Ok, bon, normalement, ça devrait être fini. Il y aura peut-être un boss. Ou pas. Ouais. Mais tu dois te les geler. Donc, on est enfin sorti des cavernes et on se rapproche de l'arme légendaire. Ça n'est pas pour me déplaire. Ouais, moi aussi. On ne sait toujours pas ce qu'est cette arme formidable. Même le haut roi ne semblait rien savoir à son sujet. Ouais, ce qui est très étonnant. Oh, peut-être qu'il savait. On va bientôt le découvrir. Tout ce qu'on a à faire, c'est arriver au sommet. Allez, le temps nous est compté. D'accord, ouais, c'était pas très difficile, honnêtement. C'était plus une sorte de défouloir qu'autre chose. Mais on va pas continuer. Maintenant qu'on est un petit peu avancé, il est probable qu'on va bientôt arriver à cette arme. Peut-être la prochaine fois, mais là, je vais pas continuer. Je vais plutôt m'occuper des quêtes. Parce que ça, c'était la quête d'Olivier et de Marie-Belle. Mais il y avait ça aussi. Ouais, voilà. En fait, il faut que je les prenne. Donc, briser la glace. Ok. Contrefort de givre en 35 minutes. Ah mince. Ça c'est chronométré donc je le ferai hors caméra tranquillement. Ça qu'est-ce que c'est la passe rouge? Relever le défi avec un mage dans l'équipe. Ok, je n'ai pas de mage. Va falloir que je change Teresa. Ok, ça je m'en occuperai hors caméra. Et puis ici, peur sur les pyramides, mon fils est sorti. Voilà, la quête de Marie-Belle et Raph. Amenez Marie-Belle et Raph avec vous. Partez à la recherche des enfants perdus. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le pont du gars. 1. Ma frangine est malade, mais je peux même pas aller la voir et tout ça, ouais. Donc. Ah bah c'est bon. Bâton solide 13, terre sacrée 22. Ok, bah celle-ci, je peux la faire. On va la terminer dès maintenant. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est pas mal. Signal et quête terminée. Le pont du gars. Et voilà. Comme ça, on va voir la petite conversation avec Olivier et Tommy. Et puis peut-être qu'on aura la quête suivante pour eux. Ce serait pas mal. Comme ça, je pourrais au moins la prendre. Ok, merci beaucoup. Donc, on sait où chercher ce petit garçon. Ah, ça c'est pour Marie-Belle et Raph, ok. Sa mère pense qu'il l'a quitté à Cordia, mais ça nous laisse 6 royaumes entiers à inspecter. Ah ouais. Un seul en réalité. À moins que je me trompe complètement, on devrait le trouver dans la pyramide de Dunis. Ok. Comment est-ce que tu peux en être aussi sûr? Ah d'accord. Ah ouais, bien pensé. Et sérieux Raph, bien joué. Oui, et j'ai reconnu la même odeur près de l'entrée du désert. Mon nez ne ment jamais. Quand j'en ai informé la dame, elle m'a dit que son fils parlait tout le temps de ses envies de visiter les pyramides de Dunis. Ok. Ouais, tu sais de quoi tu parles. Hein. Surtout avec le héros de Dragon Quest 7. Si c'est le cas, sa mère a raison de s'inquiéter. La pyramide grouille de monstres dangereux à l'intérieur comme à l'extérieur. D'accord, donc il faut que j'emmène Marie-Belle et Raph avec moi. Donc, ouais. J'aurais qu'à prendre... Ah voilà, ça y est. Donc... Ça alors, regarde. On a tout ce qu'il nous faut pour remettre ce pont d'aplomb. Allez au boulot. Eh oh, une petite minute. Un problème? Il va vous falloir du bois sacrément balèze pour terminer le pont. Et je parle du bois de super qualité. Le courant est très fort dans cette partie de la rivière. Si vous n'avez pas un bois super robuste pour les piliers, le pont sera encore emporté. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, la quête du petit garçon, si ça se trouve, c'est une quête qui va durer tout le jeu. On va aller à la pyramide, on va aller à la pyramide le chercher, mais en fait, il sera pas là, ou plutôt, il sera plus là. Il sera parti ailleurs entre temps, et du coup, il va falloir le courser encore et encore à travers tous les royaumes, histoire de pouvoir finir la quête vers la fin du jeu, je pense. Et pour ces deux-là, à mon avis, ça va être de la recherche de matériaux encore et encore, jusqu'à pouvoir construire un pont
suffisamment solide. Je le vois bien comme ça. On verra bien ce qu'il en est. Voilà, déjà là, j'ai ramené des matériaux, mais il faut partir au bois, au charme. Au bois des charmes, du coup, ça va être pareil. Il va falloir ramener à nouveau d'autres matériaux après, parce qu'il y aura un autre problème, patati patata. Enfin, je sais pas pourquoi, ça me paraît être un truc comme ça. D'accord, le bois des charmes, pour trouver du bois résistant. Ok, je m'en occuperai hors caméra. Et j'irai rendre les quêtes en vidéo, normalement à partir de la prochaine fois, si je les ai faites. Et puis une fois que ce sera fait, on pourra continuer le Mont Évé, histoire de récupérer cette arme légendaire. Petit à petit, on se rapproche. Allez, en attendant, je vous dis bye, salut à tous.